Je suis musicien. Ah. Écoutez bien les amis, je vais jouer de l'accordéon. Do, mi, sol. Ouais, superbe. Ah, c'est facile. Je plie, je déplie, je plie, je déplie. Bling, bling. Ah, c'est rigolo cette musique. Bling, 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 bling. Ne bougez pas. Ce spectacle n'est pas fini. Taratata! La trompette, j'adore ça! Il faut souffler dedans très fort. Encore plus fort. Ça vous plaît, les amis? Merci, merci. Ah, c'est fatigant de jouer. Mais j'ai encore envie de faire de la musique. Vous n'avez pas une idée? Mais oui, quelle bonne idée! Merci, Nounours! Ha, cette fois-ci, je vais faire encore plus de bruit! Ha, ha. Oh, quelle belle casserole! Ça va faire un bon tambour boum badaboum! Ha, 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 ha. Boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum. Hein? Boum badaboum, boum, boum badaboum. Mais trop trop! Oh! Ah. Boum badaboum, boum! Je joue bien, dit maman? Tu as raison, il me manque quelque chose. Des cuillères. C'est comme des baguettes. Boum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum. Bravo Trotro, tu joues très bien du tambour. Boum badaboum, boum badaboum. Elle fait du bruit la musique de Trotro. D'accord, Nounours. Aujourd'hui, on joue à la dinette. On va faire de la soupe pour Nounours, pour Trotro, pour papa et pour maman. Et pour faire de la soupe, il faut aller ramasser les légumes. Pour faire une bonne soupe, il faut des pommes de terre. Mais les petits cailloux, c'est très bien aussi. C'est bon les pommes de terre. Pour la soupe, il faut aussi des poireaux. Oh, j'ai une idée. Je vais mettre du fromage râpé. Ça sera encore meilleur. Touille, touille, touille. Oh, il faut du sel aussi. Vroom, vroom, vroom.
plein de sel. Merci, monsieur le camion. Qu'est-ce qu'il manque encore? De l'eau. Surtout, fais très attention, Trotro. Il ne faut pas en renverser. Touille, touille, touille. Et voilà, c'est prêt. Je vais la faire goûter à Nounours, à maman et à papa. Papa, maman, venez vite goûter ma soupe. Tiens, papa, mange ma bonne soupe. Délicieuse cette soupe, Trotro. Tiens, maman, à toi de goûter. Non, ma soupe. Oh, quel dommage. Tu es vraiment maladroite, maman. Pour la peine, c'est moi qui vais faire la soupe pour le dîner, Trotro. Ouf. Heureusement, il en reste juste assez pour la faire goûter à Nounours. Crayon rouge, s'il te plaît. Non, je ne peux pas, j'en ai besoin. Alors passe-moi le jaune. Non, je vais en avoir besoin juste après. Bon, passe-moi le crayon dont tu ne te sers pas alors. Non, ce sont mes crayons et j'en ai besoin pour mon dessin. Tu n'as qu'à jouer à autre chose, Lily. Touche pas au volant, il est fragile. Tu vas le casser. Non, pas celui-là, c'est mon préféré. J'ai envie de le regarder maintenant. Non, pas ma trompette. Oh. Lily. Donne-moi mon avion. Tiens, et prends aussi ton ballon. Bravo, tu as gagné, Trotro. Tous les jouets sont tombés. Ce sont mes jouets. Eh bien, je vais aller prendre mes jouets. Lily, tu peux me prêter tes rollers? Ah non, je m'amuse trop bien. Oh, Lily, laisse-moi essayer. Non, ce sont mes rollers. Je te prête tous mes crayons pour ton dessin. Non, je n'ai plus envie de dessiner. Tiens, je te prête aussi tout ça. Non, ils ne sont pas aussi bien que mes rollers. J'ai trouvé. Je te prête mon camion à roulettes et ma trompette pour faire le klaxon. D'accord. Un petit camion veut passer. Waouh! Se prêter les jouets, c'est plus rigolo! Et le prince embrassa la princesse. L'histoire est finie, Trotro. C'est l'heure de dormir maintenant.
Reste encore un peu avec moi, papa, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Trotro ? Tu n'es pas bien dans ton lit ? Si, mais je n'aime pas être tout seul dedans. Tu n'es pas tout seul. Mouah ! Nounours dort avec toi. Mais j'ai un peu peur, moi. Nounours, ça ne suffit pas. Maman a les pieds tout chauds et papa ronfle tout le temps. Ici, on est vraiment bien. Oh, notre Trotro exagère. En plus, il prend toute la place. Oh non, le revoilà. On ne va jamais arriver à dormir. Trotro est grand maintenant. Il doit comprendre qu'il doit dormir dans son lit. Papa, maman, où êtes-vous ? Oh ! Mais c'est pas votre lit. Oh ! C'est fou ce que nous avons bien dormi. Sortez de là tous les deux. Oh ! Alors, le loup repartit dans la neige. Et voilà, l'histoire est finie, Trotro. C'est l'heure de dormir maintenant. Alors pourquoi tu restes là ? Tu ne vas pas encore me prendre mon lit cette nuit, j'espère. Bonne nuit, Trotro. Surveille bien ton lit. Bonne nuit, papa. Dépêche-toi, Trotro. Viens faire du vélo. J'amène Nounours. On va jusqu'à l'arbre et on revient. Oui, d'accord. J'arrive. Regarde, Lily, je fais du vélo sans la main gauche. Moi aussi. Hop. Regarde, Lily, je fais du vélo sans la main droite. Moi aussi. Regarde, Lily, je fais du vélo sans les mains. Oula. Ah. Oula. Ah. Ouf. Et maintenant, encore plus difficile. Regarde, Lily, sans les mains et sans les pieds. Attention, Trotro, tu vas... Ouais. Ah. Aïe.
passé. Viens, on va voir ta maman. Tu viens, Trotro? Oui. Maintenant, c'est le vélo qui fait de l'âne, Trotro. Je vais à la pêche aux crabes. Les crabes, on les trouve dans les rochers, dans les trous où il y a de l'eau. En voilà un! Ah. Viens, petit crabe, dans mon seau, plein d'eau. Coquillage, une coquille d'huître, un oursin. Attention, ça pique. Tiens, un coquillage à pattes. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une moule? Et hop, dans l'eau! Une étoile de mer! C'est beau! Et hop, dans le seau! Oh, un poisson doré! Si je pouvais l'attraper! Oh! 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 Et hop! Je rajoute des algues pour qu'ils se sentent bien chez eux. Je vais montrer mes trésors à maman. Oh là là, c'est lourd! Hein? C'est parce que mon seau est trop plein. J'ai une idée! Et voilà, une grande maison pour vous. Hein? Ouf, il fait chaud. Je vais boire un petit peu d'eau. Ah, c'est de l'eau qui pique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de l'eau qui pique, c'est du crabe qui pince. Je veux pouvoir faire un bonhomme de neige. C'est facile. Allez, roule boule, petite boule. Voilà une grosse boule pour le ventre. Pour faire la tête, c'est simple. Je vais rouler une autre boule. Et voilà mon bonhomme de neige. Oh, mais il te faut des yeux. Tiens, les voilà. Et maintenant, une bouche. Je n'oublie pas ton nez. Te voilà avec un grand nez. C'est pour mieux respirer.
Maintenant, tu es un vrai bonhomme de neige. Brrr, j'ai froid aux mains. Je vais rentrer maintenant. Oh, mais toi aussi tu dois avoir froid. Tu es lourd. J'ai une bonne idée, je reviens te chercher. Ici au moins, tu n'auras pas froid. Mais qu'est-ce que c'est que cette flaque d'eau ? Oh, il coule ! Trop. Ton bonhomme de neige commence à fondre. Mais pourquoi l'as-tu rentré ? Il fait trop chaud dans la maison. Mais il avait froid, papa. Je voulais le réchauffer. Trop. Si tu veux garder ton bonhomme de neige, tu dois le laisser dehors. Et voilà, tu vas avoir une bonne surprise. Coucou, c'est moi. Tiens, habille-toi, sinon tu vas prendre froid. Bonne nuit, bonhomme de neige. Moi aussi, j'aime bien faire de beaux rêves. On va bientôt dîner. Va vite mettre ton pyjama. Mon pyjama. Miam, miam. J'ai très faim. Viens, on va se laver les mains. Il est trop joli, le bisou de maman. Je n'ai pas envie de le laver. Oh, le beau rouge à lèvres. Je vais jouer à me maquiller comme maman. Non, nounours. Le maquillage, ce n'est pas pour les nounours. C'est rigolo. Avec la crème, ça fait tout blanc. Regarde, nounours, il y a plein de couleurs. On dirait un vrai déguisement. Trop à table. Youpi! Viens, nounours, il y a de la purée ce soir. On est drôle, hein, nounours. Attends, tu vas voir. Une belle cape à rayures. Un chapeau vert. Et hop, un parapluie bleu. Mais c'est toi, Trotro ? Oui, c'est moi. Bonjour, les petits amis. Youpli, youpla, youplala. Je suis le clown Trotro avec mon ami Nounours. Bravo, tu es très beau, Trotro le clown. Oui,
Mais Trotro le clown a très faim. J'ai perdu Nounours. Mais où est-il? Ah! Dans ce buisson, peut-être. Nounours, tu es là? Où te caches-tu? Mais où peut bien être Nounours? Maman, j'ai perdu Nounours. Il a disparu. Tu as bien cherché dans toute la maison? Oui, partout. Cherche un endroit auquel tu n'as pas encore pensé, Trotro. Bonne idée! Peut-être que Nounours se cache sous le fauteuil de papa pour me faire une farce. Nounours n'est pas là. Peut-être que Nounours prend son bain. Nounours n'est pas là non plus. Peut-être que Nounours a faim. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans, Trotro? Eh bien, je cherche Nounours. Mais il ne peut pas être là, voyons. Ferme tout de suite la porte. Mais où alors? Nounours est perdu. Pour toujours. Nounours est forcément quelque part, il suffit de réfléchir. Bois ton lait, Trotro, cela te fera du bien. Oh. Quel jour on est aujourd'hui, maman? Dimanche, Trotro, pourquoi? Ah. Ah, je l'ai trouvé! Ouais, youpi! Ouais! Ha, ha, ha. Ouais! J'ai trouvé Nounours! Youpi! Bravo, Trotro! Où était-il caché? Nounours était dans ton lit, voyons, maman. Tu sais bien que le dimanche, Nounours aime bien faire la grasse matinée dans le lit de papa et maman. Mais oui, bien sûr. Mon petit Nounours, je t'ai retrouvé. Aujourd'hui, je me fais tout beau car Nana vient jouer avec moi. Trotro, Nana est arrivée. Bonjour Nana. Bonjour Trotro. Tu veux voir mes jouets? Tu as vu cette trompette? Ça, c'est mon ballon. Et ça, mon masque de tigre. Je préfère mes jouets à moi. Je vais construire un beau château pour plaire à Nana. Tu veux que je te construise un château, Nana? Oui, si tu veux. Ça sera notre château, d'accord? Ah. Ah. Oh. Oh.
Il ne reste plus qu'à mettre un toit. Oh, tu es trop maladroit, Trotro. Je m'en vais. Si c'est comme ça, je vais faire une petite maison rien que pour moi. J'ai oublié mon sac à dos. Où es-tu, Trotro? Oh! Waouh! Quelle jolie petite maison! Elle te plaît? Beaucoup! Je peux venir dedans? Si tu veux. C'est notre maison à tous les deux. Elle est belle, notre maison, Trotro! Chaud. Oh, les fleurs, qu'est-ce qu'elles ont? Regarde, nounours, elles ont l'air fatiguées. Elles ne sentent plus très bon. Oh là là, il fait trop chaud. Quand il fait chaud. Les fleurs, elles aussi, elles ont besoin d'eau. Je vais leur donner à boire. Oh. Oh. C'est lourd. Oh. C'est pas le sable qui a soif, ce sont les fleurs. Avec le tuyau d'arrosage, ce sera plus facile. Tiens, nounours, tu vas m'aider. Hop. Et... Oh. Ah. Oh. Ah. Toi, tu as bu, nounours, mais pas les fleurs. Il faut beaucoup de seaux d'eau. Vous êtes trop nombreuses, je n'y arriverai jamais. Oh ? Hein ? Je crois qu'il va pleuvoir. Oui, 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 il pleut. De l'eau, de l'eau. Regarde, nounours, les fleurs sont sauvées. Merci, la pluie qui nous rafraîchit. Merci, madame la pluie. Oh.
Mais il est crevé. Un petit hérisson. Hein? Oh, la boule de piquant a disparu. Bonjour, tu ne veux plus jouer? Tant pis, je m'en vais. Tu as peur? Tu ne veux plus jouer avec moi? Bonjour, Trotro. Tu as vu mon ballon comme il est beau? Chut! Mets-toi là, à côté de moi. Mais qu'est-ce que tu fais derrière cet arbre? Je joue à cache-cache avec mon ami. Regarde. Ah! Un petit hérisson, oh. Il est mignon. Ah, oh, ballon. Ah, ah, ah. Ah. Oh, le pauvre. Il s'est caché. Mon ballon a dû lui faire peur. J'ai une idée. Suis-moi. On va offrir un cadeau au hérisson pour lui montrer qu'on l'aime bien. Regarde, ça doit être son papa. Ou sa maman. Oh, c'est bon. Aïe. Oh. Ouf. Dis Lily, tu me prêtes une de tes moufles? Tiens, Trotro. Comme ça, on peut les caresser et ça ne pique plus. Allez, Trotro, rentre vite. J'ai gagné la course de sac à patates. C'est moi le champion. Oui, mon chéri, tu es le champion, mais il faut sortir du sac maintenant. Non, c'est mon sac porte-bonheur. Papa, j'ai gagné la course de sac. Regarde comme je saute. Oh! Trotro, arrête un peu de sauter, tu vas finir par tomber. Ne t'inquiète pas, je suis le champion. Allez, champion, va jouer dans ta chambre en attendant que le dîner soit prêt. Miam, miam, d'accord. Attention, oh. Trotro. Nounours, j'ai gagné la course de sac. Bon, à quoi je pourrais jouer? Ah, je sais, avec mes camions. Oh là là, j'ai perdu mon sac. Tant pis pour les camions. Je vais plutôt jouer au ballon. Oui, je ne peux pas jouer au ballon non plus. J'ai une idée. Je vais jouer au sac à patates. Non mais tu l'entends? On dirait un petit éléphant qui fait de la corde à sauter. Trop, 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 trop. Pose ton sac et viens dîner, c'est prêt. Et tu vas manger avec ton sac? Oui, regarde. Ah. Oh. Et voilà, à table. Tiens, mon champion en sac, mange bien. Et après, on ira prendre ton bain. Oui, maman. Trotro, viens prendre ton bain, il est juste tiède. Et voilà, je suis prêt. Oh non, Trotro, il n'est pas question que tu prennes ton bain avec ton sac.
Mais maman, c'est mon sac porte-bonheur. Je ne peux pas l'enlever. Pas de sac dans le bain, Trotro. Un point, c'est tout. Et en plus, tu vas le mouiller. J'ai une idée, maman. Tu vois, maman, c'est Nounours qui garde mon sac porte-bonheur. Tu ne vas tout de même pas dormir dans ton sac, Trotro. S'il te plaît, maman, je peux le garder. C'est d'accord. Tu peux le garder, mais seulement pour cette nuit. Merci, maman chérie. La 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 la. C'est quoi ce drôle de caillou? Toc, toc, toc. Ah! Eh! Mais c'est une tortue! Eh! Ne te sauve pas, madame la tortue! Hein? Maman, maman! Regarde, j'ai trouvé une tortue! Oh, elle est rentrée dans sa maison! Mais tu sais, c'est une vraie tortue avec une tête et des pattes à l'intérieur! Bien sûr, mon Trotro. Va prendre une feuille de salade dans la cuisine et donne-lui à manger. Allez, madame Tortue, sors! N'aie pas peur, je suis un gentil Trotro. Ah! C'est bon, hein? Attends! Elle ne va pas très vite, ta tortue Nounours. Viens. Allez, on se promène. Oh. Tu fais quoi, Trotro? Je me promène avec ma tortue, je l'ai trouvée tout seule. Elle est belle, mais elle ne va pas vite. C'est parce qu'elle transporte sa petite maison sur son dos, c'est fatigant. Je vais l'aider. Vas-y, mets-la derrière moi, Lily. Ah, oui, oui! Aucune tortue n'est aussi rapide que la mienne. Alors, tu es contente? Tu vas beaucoup trop vite, Trotro. Oh, elle est rentrée dans sa maison. Ouh, madame la tortue! Toc, 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 tu es là? Peut-être que maman va savoir quoi faire. Maman, ma tortue s'est enfermée chez elle. Elle ne veut plus me répondre. Peut-être qu'elle a envie de se reposer bien tranquillement. Relâche-la dans l'herbe et joue à autre chose. Aglaé, Aglaé, où es-tu? Ah, mon Aglaé. Mais c'est ma tortue. Non, c'est la mienne. Elle s'est sauvée de chez moi et je la cherche depuis ce matin. Merci de m'avoir retrouvé ma tortue, Trotro. Moi j'ai retrouvé la tortue de Nana. Moi j'ai retrouvé la tortue de Nana. Maman, elle m'a fait un bisou parce que j'ai retrouvé sa tortue. Tu me réveilles, l'oiseau. Tu es méchant. Maman, maman, maman. Bonjour, mon Trotro. Oh. Tu as bien dormi? Où est maman? Maman est partie travailler. Habille-toi et viens prendre ton petit déjeuner, Trotro. Nounours, où es-tu? Papa, papa, j'ai perdu Nounours. Cherche sous ta couette. Pourquoi?
tu t'es caché, méchant? Voilà, tu es puni. Méchante chaussette. Tu le fais comme maman, le chocolat? Ne t'inquiète pas, maman m'a montré comment le faire. Bois mon trotro. Aïe, mon bol est trop chaud. Souffle, ça va refroidir. Non, je vais jouer un peu en attendant. Viens, mon trotro. Tu sais pourquoi ta tour s'est écroulée? Parce que c'est une tour faite par un trotro qui n'a pas assez dormi. Les coquines des chaussettes, elles ne sont pas pareilles. Ouh, t'es cachée où, la petite chaussette? Je t'ai trouvée. Coucou, mon papounet. Je vais boire mon chocolat. Il est bon, le chocolat de mon papounet, même quand il est froid. Alors, mon trotro, ça y est, tu n'es plus grognon? Non. Et tu vas bientôt voir une belle tour faite par un trotro qui a bien dormi. Bonjour, monsieur le facteur. C'est un paquet pour Trotro. Un paquet pour moi? Vite, donne, maman! Ça vient de mamie. Je me demande ce que c'est. Oh, maman! Un cerf-volant, j'en voulais un, justement. Mamie est très forte, elle a deviné. Allez, vole, petit cerf-volant! Eh bien, pourquoi tu ne voles pas? Papa, mon cerf-volant, il ne veut pas voler. Tu as essayé de le lancer face au vent? Parce qu'il faut du vent pour faire voler un cerf-volant. Mais oui, c'est indispensable. Viens, je vais te montrer. Vas-y, cours, Trotro, cours! Tire sur la ficelle! Oh! Oui! Oui, mon cerf-volant! Si tu tires un peu, il s'agite. Oh. Mais si tu vois qu'il va retomber, tu cours pour le faire rester en l'air. Tu as compris? Vite, cours! Et surtout, ne lâche pas la ficelle! Par ici et par là! Oh, Trotro, tu as un beau cerf-volant! Oui, tu as vu? C'est mamie qui me l'a envoyé! Oh, il est tombé! Ça n'est pas grave. Tiens, Lily, tu cours face au vent. Et quand je te le dis, tu le lâches. Cours, Lily. Lâche-le. Oh. Oui, oui. Bravo, le petit cerf-volant. Oh. C'est trop. Je vais chercher papa. Vite, vite, papa. Bravo.
Bravo, papa! Bravo, papa! Merci, papa! Tu m'aides à le faire voler? Il n'y a plus de vent, Trotro. En attendant, rentre jouer à la maison avec Lily. Oui, ne quitte pas, je te passe Trotro. Tiens, Trotro, c'est mamie pour toi. Allô, mamie? Merci pour mon cerf-volant, il est très beau. Mais la prochaine fois, tu peux me l'envoyer avec un peu plus de vent? Boing, boing, j'aime bien jouer au ballon, c'est rigolo. Et en plus, je suis très fort au ballon. Qu'est-ce que tu veux, Trotro? Tu joues au ballon avec moi? J'ai encore plein de choses à faire. Non, Trotro, pas maintenant. Oh, dommage. Eh bien, pourquoi ne pas demander à papa? Joli tir, Trotro. Merci, papa. Dis, tu joues au foot avec moi? Pas maintenant, Trotro. Tu vois bien que je suis occupé. Oh, toi aussi. Alors, je peux t'aider? Mais oui. Très bonne idée, Trotro. Tu pourrais mettre les feuilles dans la brouette? Oh. Bon. Et si tu faisais du vélo en attendant que je finisse de jardiner? Bonjour Lily, tu joues avec moi? 9, 12, 1? Non, pas maintenant, parce que là je compte jusqu'à 100, tu vois. 12, 8, 22, 13. Jusqu'à 100? Mais c'est long! Pas maintenant, je te dis. 18, 17, 14, 13, 23, 48. Pas maintenant, 69, pas maintenant. 18. Mais moi, c'est maintenant que j'ai envie de jouer. Au moins, toi, tu as toujours le temps pour moi, Nounours. En Afrique, il était une fois une girafe et un zèbre. Ils adoraient jouer au ballon. Mais ce jour-là, le ballon tomba juste à côté d'un lapin caché dans l'herbe. Ha 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 ha! Oh! Trotro? Hein? Quoi? Eh bien, j'ai fini de compter, tu viens jouer? Pas maintenant. Tu vois bien que je suis occupée. Oh! Alors, le lapin donna un grand coup de pied dans le ballon. Trotro? Trotro! Oh! Et si on faisait une partie de ballon tous ensemble? Oui. Vous voyez bien que je suis déjà occupée. Pas maintenant. Qu'est-ce que vous cherchez? J'ai trouvé une belle bille. On regarde s'il n'y en a pas une autre. Une bille? Oh, tu me la donnes? Non, elle est à moi. C'est moi qui l'ai trouvée. Oh, je te l'échange contre autre chose si tu veux. J'ai ma boîte à secrets. Oh, je vais chercher la mienne. Tu me fais voir ce qu'il y a dans ta boîte à secrets, Trotro? Cette plume, c'est moi qui l'ai trouvée. Elle est jolie. Ça, c'est un cheval. Ça, c'est un coquillage. Je l'ai ramassé en vacances au bord de la mer. Et puis voilà trois marrons. Mon sifflet. Et ça, c'est une bougie pour mettre sur la table. Oh.
Et voilà mon savon à la fleur. Ça sent bon. Ah, tu me le donnes, Trotro ? J'adore quand ça sent bon. Non, donne, Nana. C'est à moi. Oh ! Tiens, Lily. Je t'échange ta bille contre mes trois marrons. Mais ils sont vieux et pas beaux, tes marrons. Non, je veux ta bougie rigolote en échange. Ma bougie grenouille pour une bille? Non, ce n'est pas assez. Oh, attends, je sais ce que je vais te donner en plus. Oh! Et moi, qu'est-ce que je vais te donner en échange de ton savon qui sent bon? Voyons, voyons, tiens, tiens, je te donne ça. Ça, mais à quoi ça sert? C'est pour les cheveux, mais tu peux le mettre comme ça. Tu es très beau avec Trotro. Ah, tu trouves? Bon, d'accord, Nana. Tiens. Et hop, mon beau petit savon. Regarde tous mes secrets à moi, Trotro. Un porte-clés avec un lapin bleu. Une brosse pour me coiffer. Un miroir tout décoré autour. Je t'échange mon beau miroir contre ta grenouille. Non, Nana, c'est pour moi la bougie rigolote. Je l'ai dit la première à Trotro. Arrêtez! Vous allez casser ma grenouille. C'est vrai, Nana. Lily l'a demandé avant toi. Tiens, je te donne ma bille et ça. Oh, la belle voiture jaune! Et si je te donne mon miroir décoré contre ton coquillage? Tu es d'accord, Trotro? D'accord, Nana. C'est drôlement bien d'échanger nos boîtes à secrets. Quand je serai grand, je construirai des maisons. Voilà, la maison est finie. Badaboum! Et moi, quand je serai grande, je serai championne de patinage. Et moi, je serai un grand footballeur. Trotro, on ne joue pas au ballon dans la maison. Oui, maman. Allez jouer dehors, il y a Nana qui vous attend. Viens, Lily. Vroom, vroom, vroom. Nana, on joue à quand on sera grand? On est... Vroom, des aviateurs. Tu viens jouer? Allons-y. Vroom, vroom, vroom. Les aviateurs se préparent. Ils vont sauter en parachute. Et hop, je saute. Je saute aussi. Zoom! Hop! Je vole. On dirait que je serai explorateur. Je traverse un pont très dangereux. Attention, il y a des crocodiles en dessous. Je t'ai sauvé à temps. Merci, Trotro. Les explorateurs continuent dans la jungle. Attention, un lion. On est poursuivi par un lion. Youhou! Nana, venez manger. On dirait qu'on serait des petits ogres et qu'on irait
tout manger. Maman dort encore. Il ne faut pas faire de bruit, trop. Oh ! Bon, ça va. Maintenant, tu vas faire un jeu calme dans ta chambre, d'accord ? Oui, papa. Un jeu calme. Pas de tambour. Pas de ballon. Pas les patins à roulettes. Tout ce que j'aime fait du bruit. Ah ! Ça, c'est un jeu calme. Tchou-tchou, tchou-tchou, le petit train. Tchou-tchou, tchou-tchou, ah. Oh. Chut, trop. Tu sais que maman voulait rester au lit plus longtemps aujourd'hui. Ça fait du bruit? Oui. Tu as deviné. Tout ce qui me plaît fait du bruit. Je peux jouer à dormir, c'est un jeu calme. Mais c'est ennuyeux. Bleu, bleu. Ça ne fait pas de bruit, ça. Je suis un monstre. Ah ! Oh, tu m'as fait peur, trop. Chut, papa, tu fais trop de bruit, tu vas réveiller maman. Le gâteau pour la fête de maman, je le fais tout seul. D'accord, trop. Si tu as besoin de moi, je suis à côté. Non, je sais le faire tout seul. Et un bon yaourt, et un pot de farine, deux pots. Oh, ça ne descend pas. Maintenant, il faut bien touiller. Touille, touille. Et un pot d'huile. Moi, je connais bien la recette. Et maintenant, un pot de sucre. Papa. Oui, trop. C'est pour le sucre qui est rangé là-haut, s'il te plaît. Tu veux que j'en mette dans ton pot? Non, je vais le faire tout seul. Et un œuf. Oh ! Zut ! Par terre ! Raté celui-là aussi.
Ah, voilà un gentil œuf qui va dans le plat. Touille et retouille. Hop, dans le moule. Papa, j'ai fini mon gâteau. C'est moi qui allume le four tout seul. Oui, mais c'est moi qui surveille la cuisson de mon gâteau. Il y en a pour une demi-heure, Trotrou, c'est long. Alors on a le temps d'aller couper un joli bouquet de roses à maman. Aïe, oh. Méchante. Eh oui, ça pique, les roses ont des épines. C'est mieux si c'est toi qui les cueilles les roses. Mais c'est moi qui les offrirai tout seul à maman. Papa, le gâteau est cuit. Mais c'est toi qui le sors, parce que c'est dangereux. Le four est brûlant. Il sent bon. Maman sera contente. Pour que maman soit vraiment contente, il faut aussi ranger la cuisine. Mais ça, je ne sais pas le faire tout seul. Coucou, c'est moi. Tiens, bonne fête, maman. Oh, comme il est beau. C'est gentil. Merci, mon trop-trop. Viens, maman. Il y a une surprise à la cuisine. C'est moi qui l'ai fait tout seul. Oh, quel beau gâteau. Merci, trop-trop. Et comme la cuisine est bien rangée. Ah, oh, ça, c'est papa qui l'a fait tout seul. Merci, papa. Ah, et goûter ton gâteau, ça aussi je sais le faire tout seul. Aujourd'hui, je ne peux pas aller dehors. Mais je m'ennuie un peu, moi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Jouer de la musique? Non, pas aujourd'hui. Construire une maison? Non, j'en ai déjà fait une hier. Regarder un livre? Non, je n'ai pas envie de lire pour l'instant. J'ai envie... Je sais! J'ai envie de faire de la peinture! Voilà mes crayons de couleur, mon pinceau, ma boîte de peinture. Ah, le voilà, je l'ai trouvé. Je vais chercher un petit peu d'eau pour mettre dans mon pot. Bon, qu'est-ce que je vais dessiner? Pourquoi pas un bonhomme? D'abord la tête. Parfait. Maintenant... les yeux. Oh, les beaux yeux. N'oublions pas les oreilles. Elles sont un peu grandes. Et voilà le nez. Oh là là, il est trop long ce nez. Mon bonhomme est un peu raté. Mais ça fait un magnifique éléphant. Oups, oh là là, quelle grosse tache. J'ai oublié de mettre mon tablier. Je sais, je vais nettoyer tout seul. Frotte, frotte et disparaît, petite tache. Elle est de plus en plus grosse. Je crois qu'elle ne veut pas partir. Qu'est-ce que je vais faire? Mais elle n'est pas si vilaine, cette tache. C'est même assez joli d'avoir de la couleur sur son t-shirt. Elle ressemble au soleil. Ou plutôt à un tigre. J'ai une idée. Je vais la décorer. J'agrandis un peu les oreilles. Je place les yeux. Je lui mets des rayures. Et je n'oublie pas le nez. Ni les moustaches. Ni les dents. Waouh! Je n'ai jamais réussi un si beau dessin. Je vais le montrer à papa et à maman. Ils vont être étonnés. Papa, 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 papa. Tu as vu mon t-shirt? Oh, superbe ce tigre, Trotro. Tu as dessiné sur ton t-shirt, Trotro? Oui, j'ai décoré ma tache en tigre. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Et si toi, maman, tu faisais une tache, je la peindrais en jolie girafe. Ha 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 ha!
Qu'est-ce que tu fais, Trotro ? La maîtresse nous a donné un petit sachet de graines pour les faire pousser. Il te faut un pot et de la terre. Bonne idée, papa. Je vais aller en chercher dans le jardin. Pour faire pousser une fleur, il faut un petit pot. De la terre, mais pas trop. Mettre les graines dans le pot, bien comme il faut. Les recouvrir pour qu'elles aient bien chaud. Et bien arroser avec de l'eau. Ah, c'est lourd! Qui veut de l'eau, de la bonne eau? Voilà, les petites graines vont pousser maintenant. Allez, poussez, petites graines, je vous regarde. Ne soyez pas timides, voyons. Je vous attends, petites graines, dépêchez-vous. Papa, je viens de planter 3 petites graines, mais rien ne se passe. Elles ne poussent pas. C'est normal, Trotro. Ah bon? Pourquoi? Je vais t'expliquer. Attends. Tu sais qui est sur la photo, Trotro? Un copain à moi? Non, Trotro. C'est moi quand j'étais petit. Quand tu étais petit? Je n'ai pas toujours été grand comme aujourd'hui, tu sais. Ah bon? Eh non, il faut du temps pour grandir. Comme les petites graines que tu as plantées aujourd'hui. Un peu de patience, Trotro. Je crois que je comprends. À bientôt, petites graines. Il faut du temps pour devenir grand. Tu as vu ça, nounours? Mais où es-tu, mon petit nounours? Ah, je t'ai trouvé. Mais tu es tout sale. Viens, je vais te faire prendre un bain. Voilà, nounours. Ton bain est prêt. Ne t'inquiète pas. Tu vas redevenir tout propre. Quel beau plongeon, nounours! Bravo, nounours! Tu es un vrai champion! Moi aussi, j'aime bien prendre mon bain. Maman, tu peux me faire couler l'eau du bain? Une seconde, je termine ce travail et j'arrive. Joue un petit peu en attendant, mon Trotro. Maman met longtemps à finir son travail. J'ai une idée. En attendant maman, je vais aller chercher mon canard en plastique pour le mettre dans le bain. Mon canard jaune pour le faire nager. Peut-être que je peux aussi apporter mon bateau. Mon petit bateau, dans l'eau, ça va être rigolo. Il y a encore beaucoup de place dans cette baignoire. Je vais chercher mon ballon. Un ballon comme à la plage. Je vais aussi rapporter mon seau et mon râteau.
Et voilà, il ne manque plus que mon arrosoir rouge. Je vais le chercher. En plus, j'ai trouvé plein d'animaux pour jouer dans mon bain. Qu'est-ce qui manque encore? Il ne manque plus que toi, nounours. Alors, Trotro, tu es prêt pour prendre ton bain? Oui, maman, regarde, j'ai tout préparé. Mais Trotro, il n'y a plus de place pour l'eau. Ça ne fait rien, maman. Je vais prendre un bain de jouets. Trotro, tu viens, on va faire la course, Trotro. J'arrive, Boubou. D'accord pour faire la course, Boubou. Je parie que j'arrive au pommier avant toi. Tu verras bien que non. 1, 2, 3, partez. Hé! Et voilà, je traverse sans me mouiller. Et moi aussi, je traverse sans me mouiller. Enfin presque. Ça fait des guili-guili. Aïe, 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 oui, aïe, 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 oui. Ça pique. Et voilà, c'est encore plus facile en descente. Et si on se repose un peu, Boubou? Tu sais, Trotro, l'important c'est de bien respirer et de courir régulièrement. Trotro, Boubou, venez prendre votre goûter. Chouette, le goûter. Hé, attends-moi, Trotro. On arrive, maman. J'ai faim. Bravo, Trotro. Cette fois, c'est toi qui as gagné. Ça donne faim de faire la course. Mais ces grands ciseaux sont dangereux pour mon petit Trotro. Alors à quoi je peux t'aider? Va me chercher le panier pour ramasser les brindilles, s'il te plaît. J'y vais, maman. Moi, j'aime bien aider. Oh.
Tiens, maman, je t'ai rapporté aussi ton chapeau pour le soleil. Comme tu es gentil, mon Trotro. Merci, oh. Tu m'as bien aidé. La 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 la. Moi, je suis un gentil. Moi, j'aide bien ma maman. Pauvre petit escargot. Tout ce chemin pour arriver à la salade. Je vais l'aider. Voilà, tu es arrivé. Moi, je suis gentil. J'ai bien aidé le petit escargot. Qui je peux aider encore? Oh! Je crois bien qu'on a besoin de moi ici. Moi, je suis gentil, même avec les fleurs. Merci pour ce joli pétale, Madame la Fleur. Nana, tu veux que je te pousse? Oh oui, merci, Trotro. Je vais très haut. Youhou! Oh oui! Merci, Trotro. Merci beaucoup. C'est bien d'être gentil. On a des bisous. Oh! Oh, il est coincé. Voilà ton ballon, Lily. Merci. Tiens, Trotro, c'est pour toi. Miam, miam. C'est bon, le chocolat. Quand on aide les autres, tout le monde est content. Moi, je serai toujours un gentil Trotro. Maintenant, une roulade en arrière. Oui. Bonjour, Boubou. Quel beau ballon. C'est mon cadeau d'anniversaire. Tu veux jouer avec moi, Trotro? Oh oui, bien sûr. Tiens. Ah, aïe. Oh. Ce n'est pas un ballon à rattraper avec la tête, Trotro. Non, c'est un ballon à renvoyer avec le pied. Hé, hey, mon ballon! Le premier qui l'attrape a gagné. Ah! Où est mon ballon? Il est perdu? Il ne doit pas être bien loin. J'ai une idée! On va faire une chasse au trésor! Et le trésor, c'est ton ballon! Le premier qui le trouve a gagné. Toi, tu cherches dans le potager et moi, dans le massif de fleurs. D'accord, Trotro. Il n'est pas là. Je ne le vois pas. Hé, qu'est-ce que c'est? Trotro, viens voir! Tu as trouvé le ballon? Non, mais regarde! Oh, je n'en ai jamais vu un si beau! Oh, regarde, Boubou, j'ai trouvé des billes. Oh, il y en a encore une autre. Elles sont bonnes. On les cueille toutes.
Mais qu'est-ce qui brille comme ça? Oh, un joli bracelet avec des perles de toutes les couleurs. Je le donnerai à Nana. Regarde, Trotro, j'ai trouvé des cailloux avec des petits dessins dessus. C'est rigolo, ce sont des morceaux d'assiettes. On va ranger tout notre trésor dans ce seau. Oh, j'ai retrouvé ton ballon, Boubou. Mon ballon? Il était bien caché. Nous, on adore faire la chasse au trésor. La 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 la. Et voilà, 5 gâteaux. Maintenant, je vais décorer mes gâteaux. Lily, regarde tout ce que j'ai ramassé. Oh oui. On va bien s'amuser. Bonjour Madame la fleuriste, je voudrais acheter ce joli bouquet. Il coûte un gâteau, Madame. Ce n'est pas cher. Je le prends. Merci. Au revoir, Nana. Bonjour, madame la pâtissière. Miam, miam, vous avez de beaux gâteaux. Oh! Excuse-moi, Nana, je ne l'ai pas fait exprès. Vous jouez à la marchande? On peut jouer aussi? Oui, vous voulez être quoi comme marchand? Oh, j'ai trouvé quel marchand je vais être. Attendez. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je peux faire des gâteaux? Oh non, trouve autre chose. C'est moi, la pâtissière. Approchez, approchez, oyez, oyez. Venez tous jouer au grand jeu du badabadaboum. Une partie pour un bouquet ou un gâteau. Moi, je veux faire une partie. Je te donne un bouquet. D'accord, tiens. Oui, oui. Attends, à moi, Boubou. Je te donne un gâteau pour jouer une partie. D'accord, tiens. Je vais chercher des gâteaux pour jouer encore. Oh, moi aussi, je vais te payer en bouquet. Je sais quoi faire. Ne bougez surtout pas. Où est-ce qu'il va? À moi, ce sera livreur. Pour vos livraisons rapides, mesdames. Voici Trotro, livreur express. Trottinette? Ouais! Elle est belle! Oui, et avec elle, c'est moi qui vais le plus vite! Ce n'est pas vrai, une trottinette, ça va moins vite qu'un vélo! Non! Tu as vu comment je vous ai doublé? C'est parce qu'on n'allait pas à notre maximum! On fait la course si tu veux! Le premier qui fait le tour du jardin a gagné! D'accord! Boubou, tu es l'arbitre! Tu vas voir! 3, 2, 1, partez! Oh!
petite pause. C'est trop facile de battre Lily. Oh, la jolie fleur. Allez, c'est reparti. Ah. Oh, Lily est loin. J'ai le temps de faire un pâté de sable. Et hop, bien tassé. Vite, je dois repasser devant. J'ai été si vite que j'ai le temps de faire un tour de toboggan. Youpi! Lily est encore loin. Je vais refaire un tour. Yahoo! Haha! Encore une fois! Oh non! J'avais oublié Lily! Vite, il faut que je la rattrape avant l'arrivée! J'étais en premier et puis je me suis arrêtée et... C'est moi qui suis arrivée en premier donc, c'est moi qui ai gagné. C'est vrai, c'est elle qui a gagné trop. Oh non, on refait la course Lily? Non, ce n'est pas ma faute si tu es mauvais joueur trop. Venez les enfants, il y a du gâteau au chocolat. Le premier arrivé a la plus grosse part. Et cette fois-ci, je ne m'arrêterai pas. Trop fort, on ne peut pas jouer dehors. Peut-être que si on dit stop pluie, tous les deux ensemble, elle va s'arrêter. Allez, à 3. 1, 2, 3. Stop pluie! Ça ne marche pas. Eh bien, ça n'a pas l'air d'aller tous les deux. Il pleut et on ne sait pas à quoi jouer. Vous pouvez jouer aux animaux devinettes, par exemple. C'est quoi les animaux devinettes? Eh bien, j'imite un animal et vous devez deviner lequel c'est. Cote-cote-cote! Une poule! Oui, c'est bien. Continuez tout seul pendant que je vais préparer votre goûter. C'est moi qui commence! C'est une grenouille! Gagné, à toi de faire! Facile, c'est un canard! À moi! Miaou, 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 miaou! Je sais, tu es un chat! Oui, comme ça je te mange, petit canard! Oh, je ne suis plus un petit canard, je suis un gros chien! Miaou! Ouf, ouf! Tu ne peux pas me rattraper parce que maintenant je suis un cheval. Tagadak tagadak. Si je peux te rattraper parce que je suis un loup maintenant. Tagadak tagadak. Tagadak tagadak. Tagadak. Et moi, je suis un papa ours qui veut lire son journal tranquillement. Même si le loup m'attrape, je ne crains rien. Parce que maintenant, je suis un tigre. Tu ne peux rien faire contre moi. Je suis très fort. Je suis un éléphant. Pom, 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 pom. Eh bien, moi, je suis un éléphant tigre. Mais ça n'existe pas, un éléphant tigre. Maintenant, si, ça existe, puisque je l'ai inventé. Le goûter est prêt, les enfants. Thank you.
Voilà les garçons, je vous ai préparé de bonnes petites tartines. Nous, on ne veut pas de petites tartines, on en veut des grosses parce qu'on est des gros éléphants. Pas vrai, Boubou? Oui, même que Trotro, c'est un éléphant-tigre. Mais où est ma voiture jaune? Elle n'est pas ici. Elle n'est pas là non plus. Elle est sûrement dans mon coffre à jouets. Oh, ma trompette! Ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Mon flacon à bulles, je l'avais oublié. Ça ne marche pas. Oh, il n'y a plus de produits à bulles. Heureusement que maman sait le fabriquer. Maman, je n'ai plus de produits à bulles. Donne-moi ton flacon, Trotro. Il faut un peu de savon liquide et beaucoup d'eau. Voilà, Trotro, c'est prêt. Regarde, maman, je fais plein de bulles. C'est magnifique, Trotro. Mais va plutôt les faire dans le jardin. Je vais faire la plus grosse bulle du monde. Quelle est belle. Ah, je vais la garder pour la montrer à Lily. Oh, oh, je vais en faire une plus grosse et plus solide. Eh bien, je vais en faire plein. Il y en aura bien une qui n'explosera pas. Bonjour, Trotro. Bonjour, Trotro. Bonjour, Lily. Bonjour, Boubou. Vous venez jouer avec moi? J'ai vu tes bulles, alors j'ai apporté mon flacon à bulles. Et moi aussi. Regardez, je crois que c'est la plus grosse bulle du monde. Moi, je vais essayer de faire les plus petites bulles du monde. Bravo, Lily. Et moi, je vais en faire le plus possible. Moi aussi. Que c'est joli. On dirait un jardin de fées. Ah, je parie que la prochaine qui éclate, c'est celle-ci. Tu es très fort, Boubou. Allez, encore. Ce qui est bien avec les bulles, c'est que quand on a fini de jouer, on n'a pas besoin de les ranger. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux! Oh! Tous ces cadeaux de Noël, c'est tout pour moi? Oui! Des livres! Et là, qu'est-ce qu'il y a? Chouette! Un jeu pour jouer avec les copains! Oh! Ouais! Le gros maintenant! Oh! Exactement ce que je voulais! Elle est belle. Ma voiture, elle va vite. Alors, tu es content? Oui. Est-ce que tu me prêterais ta voiture, Trotro? Non, 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 pas maintenant.
Ouais, c'est bien. Il faut que Boubou la voie. Allô, Boubou, c'est moi, Trotro. Tu as ouvert tes cadeaux de Noël? Quoi? Moi aussi. Tu viens jouer? D'accord. C'est Boubou. Youpi! Viens vite. Oh, c'est la même que la mienne. On fait la course? C'est la mienne, celle-là. J'ai une idée pour ne pas les confondre. Et monsieur Nounours prend la tête de la cour. Oui. Ouais. Eh, hey, tu les as vues, les grosses boîtes? On dirait des bateaux sur la mer. Moi, je suis le terrible pirate Trotro. Et moi, le terrible Boubou. Il y a la tempête sur la mer. Oh. C'est rigolo, les grosses boîtes de cadeaux. Je suis grand. Je fais les courses tout seul. J'aime bien faire les courses. J'adore choisir moi-même. Je sais tout ce qu'il faut pour la maison. Et ça, il en faut. Celui-là, hop, dans le chariot. Et celui-là, hop, pour Trotro. Un paquet bleu et un paquet rouge. Celui-là, je le prends pour maman. Et celui-là, pour papa. Des fois, c'est trop haut. Il me faut mon papa. Papa! Papa! Mais... Papa! Je suis là, Trotro! Trotro! Oh! Je ne te voyais plus. Je t'avais dit de rester à côté de moi, Trotro. Maintenant, on ne se quitte plus. J'aime bien aussi faire les courses avec papa. Oh là là, Trotro! Des gâteaux, des brioches, des bonbons. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu ne crois pas que c'était un peu trop, mon Trotro? C'est tout ce qu'il faut prendre pour Trotro. Oh.
aujourd'hui, je suis musicien. Ah. Écoutez bien, les amis, je vais jouer de l'accordéon. Do, mi, sol. Ouais, superbe. Ah, c'est facile. Je plie, je déplie, je plie, je déplie. Bouing, bouing. Ah, c'est rigolo cette musique. Bouing, 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 bouing. Ne bougez pas. Ce spectacle n'est pas fini. Taratata ! La trompette, j'adore ça. Il faut souffler dedans très fort. Encore plus fort. Ça vous plaît, les amis ? Merci, merci. Ah, c'est fatigant de jouer. Mais j'ai encore envie de faire de la musique. Vous n'avez pas une idée ? Mais oui, quelle bonne idée ! Merci, Nounours. Ah, cette fois-ci, je vais faire encore plus de bruit. Ah, ah, oh, quelle belle casserole. Ça va faire un bon tambour boum badaboum. Boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum. Hein? Boum badaboum, boum, boum badaboum. Mais trop trop. Oh. Oh. Boum badaboum, boum. Je joue bien, dit maman. Tu as raison, il me manque quelque chose. Des cuillères. C'est comme des baguettes. Boum. Boum badaboum. Boum badaboum, boum badaboum, boum. Boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum. Bravo, Trotro, tu joues très bien du tambour. Boum badaboum, boum badaboum. Elle fait du bruit, la musique de Trotro.